Rebonjour YouTube. Suite à ce magnifique combat que nous avons eu précédemment, plein de rebondissements en tout genre, c'est le cas de le dire. Donc nous nous retrouvons dans notre colonie, dans laquelle bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça serait bien que ça reste pas dehors. Hop, je t'ai demandé de me démolir ça également, s'il te plaît. On reprend doucement. On va essayer de se réorganiser, que ce soit un peu moins le bazar. Parce que c'est quand même un peu le bazar. Hop, là, je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Leur dire de terminer là. Tac. Tac. Comme ça fera un joli carré. Canton. Ouh, merde. Il va falloir quand même que je le fasse faire un vrai dodo, un de ces quatre. Pourquoi est-ce que je vais refaire une chemise d'enfant? Il me semble que j'en avais un. T-shirt d'enfant, j'ai pas de t-shirt d'enfant. Bah si j'ai un t-shirt d'enfant, mais pourquoi est-ce que tu le portes pas? Hop. C'est des trucs qui sont excellents en plus, pourquoi est-ce qu'il les porte pas? Bim bim bim. Ah merde, attends. Ayant d'enfant, il faut aussi que je me fasse une petite salle de classe. Ah je suis prof, hein, excusez-moi. Il faudrait que je me fasse. Là, c'est de nouveau le drame sur mon stockage. C'est le drame partout. J'en peux plus. Je vais avoir mes premières binous qui vont sortir. Et je voudrais que vous n'en preniez pas des fois que. Hop, même pour le mood. Hop, j'aimerais les revendre comme je peux les revendre. Zone drone psychique. Bon, ça sera avec. Mon hosto. Je pourrais faire tomber ce mur-là, en fait. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire comment est-ce que je vais faire? Parce que mon hosto, celle-là, ça va faire un peu petit quand même pour un hosto. Si je fais ça comme ça. Ça comme ça. Normalement, vu le nombre qu'ils sont, non, je suis pas censé craindre grand-chose. Mais... Hop. Bon, dans un premier temps, ça suffirait peut-être, ceci. Ça, je pourrais les désinstaller, que ça me prenne un peu moins de place. Au sol, il faudrait que je mette pour l'instant des dalles en béton. Non, bon marché nécessite peu de matériaux, mais neutre en termes d'esthétique et long à installer. Assez moche, d'accord. Il y a des carrelages en acier maintenant. Ou alors sinon.
Ouais, non. Plus tard, de toute façon, je ferai. Là, on va faire de l'efficace, du sanitaire. Tac, tac. Où est-ce que je vais placer ma porte? Je vais peut-être placer une porte qui donne vers l'extérieur et une porte là. De toute façon, là, je vais réorganiser tout ça ici. Câble électrique ici. Ok, lithium cerné. À casser du caillou. Lithium, je pourrais lui mettre aussi un peu de ménage en priorité. Parce que finalement. Ah ouais, le truc, c'est qu'elle est. Je vais passer mineur 3, transporteur 3 et nettoyeur 2. Quand même, parce que là, c'est un peu la merde au niveau de la saleté. Il y en a partout, c'est dégueulasse. Tac, tac. Tac, tac, un peu de lumière. Mon étagère avec mes médocs ici. Du coup. Hop. 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 Pourquoi pas aussi une petite clim ici. Bien, Damné est totalement guéri. J'ai fait une pause, alors ça y est, plus personne. Je ne connais plus. J'ai plus d'amis. Signal est totalement guéri. Attends, il les a construits là. Oui. Démolis-moi tout ça. Hop. Et ensuite, fais-moi des sas et des étagères. Attends. Ouais. Tac. Quoi, je vais te réinstaller. Ah, j'ai mal fichu. Tant pis. Tac. Toi, réinstaller là. Et encore une copie. Ici. Comme je pourrais. Hop. T'es sur LOL, bah oui, forcément, du coup tu peux pas causer. C'est plus compliqué. Enfin, si tu peux causer, mais à l'oral, pas à l'écrit. Mais non, les médicaments ne sont pas rares. Tiens. Si on ben voilà. Un peu de propreté tout de même. Tiens, va. T'es pas affecté à artisanat. Catox. Comme t'auras fini. Tu vas aller me fondre ces morceaux de métal.
Bon, tac. Et une copie ici. Et ensuite, ça, je vais supprimer. Et ça, je vais l'agrandir. Tac. Voilà, un vrai frigo. Et du coup, j'ai besoin qu'ils aient tous les mêmes paramètres. Copier. Coller. Et lier. Non, pas celui-là. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Toi, c'était juste la bouffe. Tout effacé. Les plats. Sauf ration de survie, c'est critique. Hop, copier les paramètres, coller les paramètres. Hop, non, pas toi. Tac, paramètres. Voilà. Ah mais non, merde! Oh, putain, quel con. Quel con, dissocié. Bon, du coup, toi, tu stockes quoi? Ok, je me suis quand même planté. Tout effacé. On recommence. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Aliments crus. Oui. Foin. Oui. Pogdemogène. Non. Nourriture privée. Oui. Croquettes. Non. Chocolat. Pourquoi pas? Mais a priori, non. Ensuite, tout ce qui est. Médicaments, why not? Drogue, why not? Ou pas, drogue, il y en a. Non, il y en a plein qui craignent pas, qui n'ont pas besoin d'être au frais. En fait, il y a juste la binouze. Et l'ambroisie qui peut pourrir, je crois. Ensuite, le mou. Oui. Histoire que ça pourrisse pas. Matière végétale, j'ai besoin du houblon ici. Et tout le reste, je m'en cogne. Bien. Et donc ça, c'est priorité importante. Et la priorité haute. Bien. Critique ici. Zergoot. Ouais, je sais pourquoi c'est le drame. C'est que j'ai perdu une étagère ici. Vous là. Vous trois, vous êtes démédicalisés. Merde, j'ai fait une. Tant pis. On va détruire. Tac. Panneau solaire. Bien. Peut-être arrêter d'être en drame de d'énergie. Avant, tiens, prothèse, parce que je commence à en avoir, qui se font casser. Panneau solaire, et puis ensuite, il y aura à faire dodo, le monsieur. Le monsieur vampire. Panneau solaire, tu vas me mettre ça où? Je vais mettre ça là, par exemple. Excellente place pour un panneau solaire. Là, et là. Tac. Bon, avec trois panneaux solaires, normalement, on devrait arriver à voir le jour. Oh, trop heureux. Bien. Canton, tu finis de me faire tes deux panneaux solaires. Et ensuite, tu vas faire ton repos presque éternel. Non, tu vas pas. Hop. Tac. Et tac. Et ensuite, tu vas là. Voilà. Ton EHS pour un certain temps.
Et on espère qu'on va pas avoir un vilain raid comme tout à l'heure. Enfin, tu me diras, on ne peut pas dire qu'il a été très utile. Oh putain, même avec. Ah oui, j'ai trois panneaux solaires. C'est la nuit. Un colon inactif. J'ai pas de recherche. Si. Ah non, c'est que c'est. Ah oui. Aussi, du coup, on me fait de la recherche. Les mecs qui savent pas quoi faire, ils pourraient faire aussi de l'artisanat, je trouve. Non, pas art, mais artisanat, je dis. Ketox, toi tu vas m'annuler. Bien. Alors, on va pouvoir faire tomber ça. Hop. Et en quoi mon sol, il est en granit? Pourquoi je fais du granit alors que c'est de l'obsidienne que j'ai partout? Non, j'ai aussi du marbre là. Pourquoi est-ce que j'ai fait du granit? C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. On pourrait se refaire un petit stock de. Ouais, parce que l'hiver va arriver. Un petit stock de bouffe. Hop, wapiti, bouquetin. Les caribous, on va éviter. J'ai pas beaucoup de quêtes dans cette partie. Sauterelle, un avant-poste. Ah merde, expire dans 15 jours, il faut que j'y pense aussi. Je vais m'enlever tout le sol qui est là, parce que le granit, je peux pas vraiment dire que j'en ai facilement. Comme j'aime bien faire les trucs un peu propres. Ok. Tiens, je pourrais faire production laboratoire chimique. Ouh, j'ai plus assez de composants. Merde. C'est le drame, ça, si j'ai plus assez de composants. C'est le drame, ça veut dire qu'il faut miner. Il faut miner en urgence. Des composants les plus proches que j'ai bien l'impression qu'ils sont là-haut. Non, j'ai peut-être plus proche ici. On pourrait peut-être faire de la récolte de baies. Dans les choses utiles. Là, j'ai des composants aussi. Hop. Hop. Risque de démence majeure. Faut pas être fou.
Spikey, qu'est-ce qui va pas, Spikey? Un organe a été prélevé sur quelqu'un, ouais, bah ça arrive. Exécution d'un coupable. What the fuck? Métal compacté, bah écoute. Oh, il est bien placé mon métal compacté là. C'est le bon endroit, non mais je te jure. Je te jure. Ah merde, du coup tu chasses toi. Je préférais que t'ailles miner en fait, Lithium. Il y en a plein d'autres qui peuvent. En minage, oui, c'est clairement toi qui. Lithium. Chasseur 4. Ah, va miner s'il te plaît. J'ai besoin de composants. Alors, toc. Paramètres de lien. Hop, coller. Voilà. Loup des bois. Où y es-tu, m'entends-tu? Que fais-tu? Alors, loup des bois, après on s'achète. Alors, tac. L'option, c'est de t'attendre et de te défoncer la gueule. Et voilà. Beaucoup plus facile comme ça. Pas urgent. Bien. Toujours important de se refaire un bon stock de bouffe avant l'hiver. Bon, et puis quand Canton sera réveillé, il va peut-être aller faire le. Justement, la quête, là, qui vaudrait quand même mieux que je fasse avant l'hiver. Ah merde, c'est putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mobilier, les trucs pour l'apprentissage. Le bureau, le tableau noir. Hop. Tac. Tableau noir et deux chaises. Tac. Est-ce que je vais pas avoir trop de bouffe là?
avoir des trucs qui vont finir par pourrir. Je devrais peut-être plutôt commencer à mettre ma bouffe dans mon frigo. Je vais copier les paramètres. Celui-là, je vais le dissocier des autres. Et je vais mettre la bouffe dedans. Et celui-ci, je vais... Hop, pour l'instant, tout effacer. Histoire que la bouffe soit stockée au frigo plutôt que... Dehors, en psychique apaisante pour les hommes. Si, si, j'ai un frigo, mais... C'est vrai que sur un début, je l'avais mise là. Hop, ordre. Aime recouper du bois. Hop. Bon. Bon, ce qui est bien, c'est quand même là, avec mes panneaux solaires, j'ai plus de problème d'électricité. Même quand Canton fait son dodo. Prothèse, bien. Aïe. Ça fait bzit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi tes zones rouges? Ouais, attends 2 secondes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Des fusils d'assaut, why not? Un multi-analyseur, why not? Plus de recherche plus vite. Allez. Ouh. Alors, ça fait bzit. Alors, mes zones rouges. Qu'est-ce que tu appelles mes zones rouges? Ah là, ok, j'ai compris. Ça, c'est les zones non constructibles. C'est de la flotte. Ouais, j'avais oublié de l'enlever. Qu'est-ce que tu fous à toujours pas avoir miné de composants, toi? Sérieux? Ah oui, d'accord. Bon, 30 minutes, ça va. T'es presque excusé. Je sais pas si on est excusé d'avoir joué que 30 minutes à RimWorld, mais... Suite à tous les goûts et sont dans la nature. Non, tu veux me transporter ça. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Aucun espace de libre pour configurer, pour accepter ça. Mais tu te foutrais pas un peu de ma Je sens chafouin. Ah mais d'accord, je me suis complètement... Putain, n'importe quoi. Bon, j'ai un gros souci sur ma gestion des stockages là. C'était quoi le stockage toi? Pas de nutritif, bah tiens. Bon, on va se refaire les choses correctement. Et parce que là, en fait, d'accord, j'ai tout qui est relié. C'est formidable. J'ai vraiment fait de la merde. Alors, vous tous qui êtes ici. Oui, même vous deux là. Voilà. Donc vous deux, ce qui est dit, on va dissocier tous les paramètres. On va reparamètrer. Hein, voilà. Et on va tout modifier, tout effacer. Donc,
Je veux que tu me mettes là-dedans. Pemmican, ration de survie. Pack d'hémogène. Tous les textiles. Pas les médocs. Pas toutes les drogues. Toutes les drogues sauf ambroisie et bière. Game fuel composant, composant, c'est nanopus. Sono et bidule. Tout ce qui est ressources brutes, oui, sauf le houblon. Et tout ce qui n'est pas périssable. Hop, hop, hop. Et tout l'or. Bien. Ensuite, je veux tous les objets, toutes les armes, tous les vêtements. Et pas de cadavre. On va y arriver. Pas de nutritive éventuellement, si tu sais pas quoi en faire. Je sais pas, la pâte nutritive, ça. Est-ce que ça pourrit? Je sais pas. Donc du coup, maintenant, normalement, tu devrais pouvoir transporter ça. Ça va être nettement plus simple. Et je vais pouvoir faire les petits colifs et du yayo. Hop. Répéter en boucle. Répéter en boucle. Voilà. Bon. C'est un peu moins la merde. Je comprenais pas pourquoi il me les laissait comme ça. Bordel les uns sur les autres. Tiens, j'ai l'impression que j'ai un bout de. Non. Non. Ah. On commence à plus avoir beaucoup de place pour les bestiaux. On a plein. Tac, tac, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, ça commence à avoir une tête un peu meilleure, même si. Ah, c'est les canetons. Ça roule, Catox. Des bisous, merci beaucoup d'être passé. Ah, Katox n'a plus allaité depuis 10 jours. Bah oui. Forcément. Ah non. Ah, oh putain de merde. Oh, fais chier. Je fais n'importe. Je fais n'importe quoi. Tout effacé. Là, je veux que. Des médocs. Tous les médocs en critique. Bordel. Copier, coller. Hop. Merci.
Bouge pas, Kenton, termine ça, hop. Tac. Hop. Non, ça je peux annuler. Par contre, c'est toi que je vais réinstaller là. Est-ce que je vais avoir une place pour ranger tout mon bordel? Tiens, si je pouvais réinstaller ça comme ça. Et. Et ça, le réinstaller là. Parfait. Voilà. Il ne reste plus qu'à tout ranger. Comme ça, j'ai bien regroupé les choses. Ça, je pourrais l'annuler quand même. Ça me sert plus à grand chose. Bien. Ça commence à être un peu plus propre. Tout de même. Bon, j'ai encore du métal là-haut. On va continuer de miner ce métal-là. Tac. Hop. Ah, ça y est. On arrive au bout, mais franchement, je vais pas me plaindre. Alors, ensuite, je pourrais faire de du smooth. Hop. Je pourrais mettre. Ouais, le truc c'est qu'en fait, je récolte beaucoup trop de bois. J'ai trop de bois par terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pièce. Ah merde, ça on peut plus le déplacer quand on l'a installé. Charisse. J'avais oublié ce détail. Bon, donc là, ce sera forcément ma zone de recherche. Ah merde, mauvaise température. Effectivement. J'ai pas vraiment pensé à ce détail. C'est un détail d'importance. C'est qu'on recherche pas vite quand on a froid. Ouais, c'est mieux, 96%. Propreté ensuite, ok.
là, normalement, 99%. Ok. Bien. Donc, comment je vais faire du coup? Je vais mettre... Atelier de taille de pierre ici. Atelier de couture ici. Atelier. Ça, je vais du coup devoir le déplacer. Pourquoi j'ai des vêtements qui traînent là? Ah putain, merde, j'ai plus de place. Ok. Bien. De toute façon, mon stockage, je vais devoir le déplacer. Donc, je vais le déplacer par là, je pense. Je vais le déplacer par là, certainement. Ça, de toute façon, tu vas me faire un transport urgent aussi. Transporte. Voilà. Afin que je puisse installer ça. Et ça. Voilà. On va faire des chaises un peu partout. Ah, ah oui, c'est... Ça y est, ça cacaille. Bien. C'est pas une très bonne idée quand même que je laisse... mes trucs comme ça. Alors, mon stockage, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire par là. Attends, là je vais faire. Il faudrait que je le fasse comme une petite porte par ici. Une petite porte. Attends, je vais faire un stockage genre. Tac. Tac. Donc une autre porte là. Et tac. Ça, tu vas miner ça aussi. Et on va faire un. Je vais même miner tout ça de toute façon. Mais ceci dit, est-ce que ça fait une zone qui est vraiment beaucoup plus grande? Ça fait quoi? Ça fait une zone de 77. Alors que celle-ci. Alors, elle... Ah oui, si elle est 48 quand même. C'est beaucoup plus grand. Capsule de sauvetage. Oh. Alors, qu'est-ce que t'es? Oh, un homme taupe, j'en ai pas encore. Est-ce que tu es intéressant? Tu es joyeux? Tu réfléchis... Oh bah... Tu... Oh, bah Alors ça, j'achète. Toi, je t'achète complètement. Tac, tu vas secourir dès que tu auras fini de construire ta porte. Et ben voilà. Alors, tu vas t'équiper et tu vas avoir comme paramètre de travail. Tu vas avoir ça, tu vas t'équiper en soldat parce que tu as des bonnes stats de mêlée.
frénésie au tir pour Spikey. Damned dans le frigo, hein. C'est décidément, je pense que c'est vraiment the place to be. Ça, je vais agrandir la zone pour que j'ai quand même pas trop de trucs qui traînent par terre, ça me plaît moyen. Ah si, la feuille de psychoïde, ça devrait aller là. Psychoïde. Tac. Tac. Et donc là. Psychoïde. Tac. Est-ce qu'ici je les ai mis, les feuilles de psychoïde? Oui. Hop, tu les enlèves. Et ça là, les feuilles de smoke leaf. Ah aussi. Alors, ok. Tac, smoke leaf. Hop. Par contre. Là, les smoke leaf. Tac. Et psychoïde. Tac. Ça me libère un peu de place sur mes étagères surbondées. Ah oui, là il faudrait. Bah tiens, il y a deux trucs qu'il faudrait que je me fasse. C'est une caisse à outils. C'est quand même la base d'un atelier. Et puis effectivement, il m'a manqué de courant. Mobilier. Là. Bien. Bon, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Pas là, mais. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, dès que je mets un espace de stockage, il va le blinder en bois. Parce qu'en fait, du bois, j'en ai. C'est juste que, comme j'ai pas d'espace de stockage, il a trop du mal avec. Alors, il va falloir que je réinstalle tout mon bordel. Tac. Alors, je vais mettre en pause le temps de gérer ça. Tac. Hop, réinstaller. Dézoomer un peu. Tac. Merde, je l'ai mal placé. Et merci pour le follow. Ah non, c'est le raid. Un groupe de 37? Mon Dieu! Kubenape, merci à toi pour ce raid de malade! 37? Je sais pas si on a déjà eu autant de monde que ça ici. Gros follow, c'est clair. Merci, bienvenue à tous. Nous sommes sur une partie de RimWorld, somme toute... moyennement avancé, que des nouveaux, que des petits nouveaux. Oh là là, que de stress. C'est bien, c'est une excellente chose. C'est une excellente stratégie, je trouve. RimWorld, c'est la vie. Ah, c'est la vie où on fait tourner les étagères. Ouais, les gens te regardent. C'est un peu ça. Non, c'est pas moi. Bon, là, ça gèle, hein. Vraiment, il fait moins 11. Il faut me récolter tout ça, les gens. Hop.
Bah ouais, non, mais Rimworld, de toute façon, c'est la vie, c'est tout. C'est la vie de n'importe quoi. Mais... Alors, mon run, c'est un truc. Donc, c'est une découverte, puisque quand j'ai commencé ce run, je n'avais pas encore Biotech. L'idée, voilà, c'était une découverte. Alors moi je ne suis pas le signe noir, qui est on est sur on est une chaîne communautaire. Le signe noir, c'est le créateur de la chaîne, on va dire. Ça a été l'occasion de mon tout premier stream, de découvrir donc le monde formidable du streaming et de Biotech, puisque je venais de l'avoir. Voilà, donc j'avais fait. Les viewers avaient choisi, enfin pas vraiment choisi, il y avait eu match nul. Pour faire un run, j'avais soit proposé un truc genre homme de Néandertal avec orienté famille. Donc, je voulais faire genre deux parents, deux enfants et un bébé. Et puis la deuxième proposition, enfin j'avais proposé un run Mechanitor et un run sanguinophage. Et donc, il s'avère que ça a été un run sanguinophage. Voilà, donc, qui est commencé depuis, ça fait combien? 80, une centaine de jours, quoi. Voilà. 80, un peu moins de 100 jours. Voilà, donc, il y a pas mal de trucs que je connaissais pas du tout au début de ce run. Et ma foi, bah. Me débrouille pas trop mal, je crois. Et puis j'ai l'impression que les concepts plaisent plutôt bien aux gens qui viennent. Donc je suis assez satisfait de comment ça se passe. Voilà. Et donc toi, tu es un gros Rimworlder aussi? Ouais, sinon on fait des paris, comment ils vont mourir. Je fais des belles conneries. J'ai failli tuer l'un de mes deux persos de base. Donc, il y a Canton le vampire et du Discord Rimworld.fr. D'accord, très bien. Ah, ouais. voilà, mon couple initial, hein, c'était Canton et Catox, qui ont un bébé qui s'appelle Dame Ned maintenant. Et sur une connerie, j'ai failli enlever le cœur de Catox. Parce que je voulais le faire sur un prisonnier, puis j'ai mis ce clic. En fait, je sélectionnais le mauvais perso et je l'ai arrêté à quelques secondes du décès final. Alors, un petit raid dispersé dans la zone, ils attaquent immédiatement. Ça va encore être. D'accord, ça va encore être une. Hop. Alors, j'en ai qui tombent à côté. C'est l'heure. De la guerre. La guerre. Arthur! Voilà. Katox, tu devrais rester bien tranquillement, sans bouger. Hop, on recrute tout le monde. Alors oui, comme c'était un run plutôt tranquille, hein, de toute façon, je suis pas. Quelqu'un qui cherche à faire spécialement des trucs hyper compliqués. J'ai pas non plus 50 milliards de mods. Voilà. Damned, j'ai quand même moyen envie qu'ils prennent encore des bastos. Donc en fait, tout ce que tu vas faire, j'ai vu que relativement récemment, ils avaient dans le patch 1.4, ils avaient modifié le comportement de l'IA vis-à-vis des enfants qui n'ont pas d'armes, ce que je trouve assez intelligent. Voilà, ils ont fait en sorte, ils ont dit, si un enfant n'a pas d'armes, il sera pas du tout priorité, enfin, pas du tout ciblé par les ennemis, ou bien alors juste en tout dernier. Je trouve assez malin. Hop, alors. Tac. Qu'est-ce que t'as comme arme, toi? Une massue. Boum. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai une masse. Voilà. Ouais, j'ai découvert avec effarement l'efficacité
l'efficacité du sanguinophage en termes de combat. C'est tellement fort que ça devrait pas être permis. Qu'est-ce que tu me fous le feu, toi? Quelle drôle d'idée. Tiens, rossignol. Hop, t'es blessé. Ah oui, si, en fait. C'est bon, je me débrouillerai sans vous. Bim. Bim. Voilà. J'avais qui d'autre? Toi, t'es trop lent. Hop. Alors, qu'est-ce que tu vaux, toi? Tu es un Itakin. Forcément, tu fais des animaux, de l'agriculture, construction, mets les tirs. Petit dormeur, très bien. Incisif, perspicace. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon, tu viens juste de perdre une épaule. C'est presque pas grave, je peux faire des prothèses. Eh ben, on va te sauver. Caneton, tu veux pas bouffer, tu vas capturer. Et tac, et élevez-vous là, tac. Tac. Hop, un colon a besoin de soins. Il va te soigner. Il est là pour ça. Ah merde. Non, très grave. Ouais, du coup, c'est un peu grave. Pépété. Catox, c'est bon. Tu peux libérer. Hop. Je vais me le soigner quand même. Tu vas me le recruter du coup. Ouais, dans les concepts de la partie, il y a le fait que j'ai voulu que tu peux me le. Il me soigne sans médicaments. J'ai de l'art médicinal pourtant. Ouais, j'ai mis que. Comme je découvrais Biotech, j'ai choisi de mettre que Biotech. J'ai pas mis Royalty, j'ai pas mis Idéologie. Voilà, ça permettait de vraiment de me focus sur les nouveautés. Voilà. Attends, les poches de sang. Je vais pas les mettre là, les poches de sang. Je vais les mettre là, tiens. Emma. Hop. Non. Pack d'hémogène, c'est hémogène. Tac. Je vais mettre juste les packs d'hémogène en critique ici. Ah tiens, j'avais dit que j'allais faire la quête avant que ce soit l'hiver. C'était quoi? Sur sauter là. Un camp de bandits et trois diablotins dans cette gare. Hop. Alors, où est-ce que tu es? Eh ben, c'est parti. Forme une caravane. 0,9 jours, ça devrait le faire. Avec Spikey. Avec Palissium éternel. Et Caneton. Avec ça devrait le faire. Ouais, sans trop de difficultés. Ouais, même à la limite. Attends, Éternel, il est blessé un peu. Santé. Ouais, non, c'est pas. Hop. Vous allez y aller avec les yaks. Et pack d'hémogène, place simple. Tac, tac, tac. Tout va bien. Vous allez me prendre quelques herbes médocs en plus au cas où. Allez, c'est parti. Ça devrait être rapide. Il faudra que j'aille le voir, ce fameux Discord Dreamworld FR. C'est pas la première fois que
L'un d'entre vous meurt d'infection. 13, bah oui, forcément. Tac. Ouais, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui passe sur de ce Discord. J'imagine qu'il se passe plein de choses. Ah oui. Oh, Spike qui fait une crise de nerfs. Chier. Qu'est-ce que tu t'énerves, Frénédie d'insultes? Dans le noir. Bah oui, ça arrive d'être dans le noir. La question c'est. Oh, fais chier. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis en fait? J'ai pas compris. Ah, c'est carrément le gourou de la secte. Ouais, donc c'est vraiment gros, 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 gros stress là, ça veut dire. Dire que. Pas que je fasse de conneries. Grosse pression, quoi. Bon. Bon, Spikey finit de se vénère comme ça. Éternel, on se réveille. Hop. C'est le temps de rejoindre les copains là. Caneton est là. Et Spikey aussi. Ok, c'est bon. Dangereux les sectes, non? D'où le fait que quand il fait un raid, en même temps, il y ait 35 personnes qui débarquent d'un coup, quoi. Oh putain, un vrai mineur, ça change la vie. Bordel. Ça change vraiment la vie, un vrai mineur. Hop. Allez, tu vas continuer. Car, allez, très bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Alors, qu'est-ce que. Ouf, ça devrait être dur. Canton. Jump. Ah, saleté. Alors, par où qu'ils passent? Ils vont passer par là, forcément. Alors, je vais me mettre là et je vais me mettre là. Hop. Bravo. Ah merde, salaud. Bah oui, les vampires, ça aime pas le feu. Oh putain, ce drame. J'aurais dû les défoncer et je me fais défoncer. Bordel. Bon, ok, tout va bien. Oh la vache. Toi, tu donnes quoi? Tir, mêlée, minage, intellectuel.
Psychopathe, tendance toxico, ouais, j'aime pas trop. Bon, ceci dit, t'as des stats plutôt sympas. Ouais, c'est pas le meilleur. Ah ouais, carrément, il est complètement en PLS là. Bordel. Hop. Bon, ça va, j'ai pas d'hémorragie. Tac. Bien, tu veux me sauver? Non, non, tu veux. Est-ce que j'en ai un qui est correct en soins là ou pas? Éternel qui est le meilleur avec un gros 4,82. Ouh. Les bestiaux là. Hiver. Un caravane. Tac. Spiky, tu vas me chercher les bestiaux. Non, tu veux pas les attaquer. Je vais les attaquer. Mais tu vas les attaquer. Bien. Ok. Super gros paiement. Wouhou. Tu vas le capturer. Pff, ou pas. Est-ce que je le capture? Est-ce que je le capture pas? Orque à gagne sauvage. Psychopathe, j'aime jamais trop, quoique. Bon, alors le problème c'est que si je les revends, ça... je vais être emmerdé pour mes péons. Ouais, tant pis, je vais pas le sauver. Hop. Ah bah oui, très bien, j'aime bien quand les trucs ils se mettent dans la flotte directement, c'est tellement bien. Spiky, donc c'est bien. Tu vas me le déhabiller. Évasion, merde. Hop. Hop, zone de stockage. Ça, je m'y cogne. Par contre, le reste... Alors, évasion. Et en plus, non, c'est aussi il y a une grenade là. Il faut surtout pas qu'il l'ait. Alors, Tom. Tac. Katox. Non, Lithium. Oui. T'es nul, mais tu vas quand même venir. Aoi. Tac, tac, tac. Rossi. Tac, tac, tac. Et Damned. Bouffe. Ah oui, putain de merde. Putain de merde. Oh, fais chier. Bien.
Le mec qui te récupère la saloperie de grenade, quoi. Du coup, il n'y a plus personne qui parle. Je suis triste. Détox, soigné. Ah oui, c'est bon. Being out in 6 hours. Hop là. Ça va, il n'y a pas eu trop de casse. Eternal est toujours en PLS là? Ok, il a tout ça, oui. Éternel, si tu pouvais me soigner ce jeune homme, ce serait fort appréciable. Mais pour ça, tu aurais besoin d'herbes médicinales, voire de médicaments. Soigne Canton. Ah, mais attends, lui. Il n'est pas en building out. Elle a dit grave. Infection. Bah, c'est bon. Là, ton immunité. Est-il 16h05? De toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Une nouvelle quête. Encore? Composant avancé. 5 châches. Et une menace encore. Bien. Où est-ce que t'es? Complètement de l'autre côté. Ok. Bon, Kenton, tu pourrais peut-être te relever quand même. Je sais bien que tu as eu un peu de feu, mais quand même. Je lui hurle, c'est le froid qui va la tuer. Kenton est de nouveau debout. Et toi, t'as fini par mourir. Caravane détectée, c'est normal. Attends. Attends, on va soigner. Éternel, là. Ok. Bon, la caravane, c'est géré. Je les renverrai le lendemain matin.
Ah, j'aime bien heurter ma... Ah oui, non, d'accord, ça, je l'avais déjà. Ça. Je l'avais déjà repéré. Alors, non, t'as tout faux, mec. T'as totalement tout faux. Enfin, à moitié tout faux. Les paramètres que je veux que tu me copies, c'est cela. Hop, coller les paramètres et associe-moi tout ça. Non, c'est pas la copie que je voulais. Coller et plus ça. Voilà. Et du coup, je vais vouloir que ma zone de bordel, la décharge, elle soit par ici. Hop. Peut-être pas aussi grande. Tac. Pour l'instant, ça devrait suffire. Bon. Hop, copier, détruire, coller. Bien, bien, bien. Alors, éternel, rien à faire. Bah oui, forcément. En général, je voilà ça. Raton laveur. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Suis enchanté de savoir, mais sache. Bon, ma petite bestiole, que c'était pas la bonne idée pour toi. Hop, canton, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me démolir tout ça? Et ensuite, on se casse. Bien. Allez, on rentre à la maison. C'était pas la meilleure chose, le meilleur combat que j'ai fait. Alors, tissu, cuir, fourrure, thé. Bon, écoute, raton laveur aussi, hein, tant qu'on y est. Cœur, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Pourquoi j'ai ça? Je sais pas. Hop. Hop. Ça devait être tout le bordel que portait... À mon avis, que devait porter Canton sur lui. Tac, il y a plein de choses ici quand même. Viande. Hop. Et je vais prendre, tant que j'y suis, pas du gras, non, de l'ardoise. Allez, pas. Bim. Allez. On rentre à la maison. Et je pense que là-dessus, je vais vous saluer. Chers viewers, amis compagnons. Parce que il est temps que je fasse un peu autre chose. Je vais bientôt récupérer mon fiston. Et merde. Et j'ai fait ce que je voulais pas faire. J'ai oublié de faire ce que je voulais faire. Les plats végétariens. Je voulais pas que tu le fasses. Je voulais juste à l'approche du dîner. Du coup, j'ai plus beaucoup de bouffe. Allons chasser le bouquetin, l'étagne. Et puis le mufalo. On aime chasser le mufalo. Mais on va essayer de le faire de façon intelligente. Ouf, ouf. Le lithium qui va y aller.
pour les faire fuir. Tac. Voilà. Ensuite, ouais, le truc c'est que. Je suis en train de me dire que tous mes gros tireurs, en fait, ils sont pas là. Donc, en fait, c'est un peu con. Elle reste quand même moins à faire de la chasse toute seule. Bon, allez, j'ai dit que je m'arrêtais. Eh bien, j'espère, amis nouveaux viewers, que ce peu d'épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à revenir. Hein, donc la chaîne du Cygne, hein, c'est régulièrement de plus en plus régulièrement des streams. On a plein de vidéos sur plein de types de jeux, puisqu'on est quand même relativement nombreux. En tout, on est 11 à faire des vidéos sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, on vous accueillera très volontiers, avec beaucoup de plaisir. On a un Discord, le Discord vous pouvez le trouver en lien sur. Il doit être en lien quelque part sur Twitch, j'imagine, enfin j'espère. Sinon vous pouvez chercher les jeux du Cygne sur YouTube, sur Peertube aussi, si y en a qui n'aiment pas YouTube et qui préfèrent les trucs un peu moins googlisés. On est sur Peertube. Voilà, voilà. Bah ouais, personne n'est mort. Mais qu'est-ce que tu veux, Nico? C'est le talent, c'est le talent. Personne, surtout, j'ai réussi à ne pas tuer... Comment? À ne pas tuer personne, à n'extraire le cœur d'aucun de mes propres colons. C'est quand même magique. Allez, je vous dis tous au revoir, je vous remercie d'avoir suivi ces épisodes et on dit au revoir à la VOD aussi. Et puis je vais très vite couper le stream en enchaînant. À bientôt tout le monde, au plaisir.